Il y a bien longtemps, au temps de la dynastie Jin, la condition des femmes était difficile, car on estimait qu'elles étaient inférieures aux hommes. Elles n'avaient pas le droit de paraître en public, et l'absence d'instruction des filles était considérée comme un gage de vertu. Il leur était d'ailleurs interdit de faire des études. Les pauvres et les riches ne se mélangeaient pas. La frontière entre les classes sociales était presque infranchissable. Mais en ce temps-là, il était une fois une jeune fille. Non, pas celle-ci. Non, pas celle-ci non plus. Ni celle-là. Ni celle-ci, ni celle-là, ni celle-ci, ni celle-là. Hop, 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 hop. Reviens. Ne sois pas si timide. Montre-toi. Oui, c'est elle. Donc, il était une fois une jeune fille gracieuse, curieuse, espiègle et un peu garçon manqué. Une jeune fille manquant parfois de maintien, mais au caractère bien trempé. Afin de pouvoir étudier comme les garçons, elle demanda à ses parents l'autorisation de se travestir en garçon. C'était bien sûr contraire à la tradition, mais à force d'arguments, d'insistance et de supplications, elle obtint l'accord de son père. Attends. N'oublie pas, seuls les garçons ont le droit d'étudier. Il te faut changer d'allure. Te sens-tu à l'aise? Bien. Mais il te manque encore quelque chose. Ah, oui, je sais. Un éventail. Tous les étudiants en ont un. Voilà, tu es un parfait jeune homme. Et c'est ici que notre histoire commence. Maîtresse, je vous parie qu'aujourd'hui, vous allez rencontrer votre prince charmant. Sais-tu que tu es plus effrontée qu'un garçon? On en croise tellement par ici qu'il y en aura bien un qui vous plaira. Tenez, regardez par vous-même, ils passent tous par ce chemin. Oh. Que pensez-vous de celui-ci? Trop prétentieux. Et celui-ci? Oh... Il est beaucoup trop petit. Trop gros. Trop grand. Aucun ne me convient. En voici un qui semble sans défaut. Oh. Oh. Peut-être. Mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il manque totalement d'éducation. Je vous l'accorde. C'est très ennuyeux. Maîtresse, celui-ci est très bien. Et son valet est encore plus charmant. Vous voulez regarder, maîtresse? Non, vraiment, je te remercie. Finalement, je les trouve tous pareils. Vous avez tort, vous le regretterez. Tu es une petite impertinente. Mais tu es sûre qu'il est charmant? Mieux que ça. Et il est bien fait? Ni gros, ni maigre, ni trop grand, ni trop petit. De l'élégance? Un seigneur. Là, je parie que tu exagères.
fait-il? Oh! Ils se rendent sur le belvédère. Maîtresse, votre attitude n'est pas ce qu'elle devrait être. Tu peux m'expliquer? Vous êtes une jeune fille sensible, cela ne fait aucun doute. Seulement, vous êtes censée être un garçon. Oh, tu as raison. Je dois donc rester impassible. Oui. Ça alors? Qu'avez-vous, monsieur? Est-ce que tout va bien? Maîtresse, c'est à vous qu'il s'adresse. Très bien, merci. Je vais vous aider. Donnez-moi la main. Personne ne m'aide, moi. Ouh. Ah. Monsieur, je suis sincèrement désolée de vous avoir fait peur. Qu'y a-t-il? Il y a quelque chose sur votre coiffe. Ce n'est qu'une fleur. Vous voyez, elle ne risquait pas de vous faire du mal. Ah, bon, alors maintenant, est-ce que tout va bien? Oh, mais aucun problème, aucun problème. Regardez, en pleine forme. Qui est-ce? Ah, c'est mon serviteur. Il se nomme Shinjo. Salut. J'ignore comment, mais il semblerait qu'ils se connaissent. Ils viennent peut-être juste de faire connaissance. Cela va très vite, parfois. Je m'appelle Tao et je suis en route pour la ville de Hangzhou, où je vais poursuivre mes études. À mon tour de me présenter. Je m'appelle Ling et je me rends aussi à Hangzhou pour la même raison. Ça alors, quel heureux hasard! Il était donc écrit que nous allions nous rencontrer. Et puisque nous allons au même endroit, pourquoi ne pas voyager ensemble? Ensemble? Oui, ensemble, comme des frères d'études. Considérant que le destin nous a réunis et que nous nous rendons tous deux à Hangzhou, où nous allons étudier ensemble pendant 3 bonnes années, quoi de plus naturel? Des frères d'études? Eh bien d'accord. Nous voici liés pour toujours. Oh! Nous ne sommes pas les seuls. Ils ont même pris un peu d'avance, on dirait. Mais nous, c'est différent. Mais où est donc passée Harmonie? Hé, Shinjo, est-ce que tu as vu Harmonie? Mais oui, elle est là. Je n'aurais jamais cru que même chez eux, tout puisse aller si vite. Cher frère, quel âge as-tu? Cher frère, j'ai 16 ans. Et moi, 17. Oh. Donc tu es mon petit frère. J'aime le lac en mars. La brise pousse la jonque depuis tant d'années. 10 années sur ce lac nous avons navigué. 1 siècle avons dormi sur le même oreiller. C'est joli. Mais c'est plus un poème d'amour qu'une histoire de frère. Une sincère amitié fraternelle est parfois plus forte que l'amour entre un homme et une femme. La jalousie ne peut pas l'altérer. Ling, regarde. Nous sommes presque arrivés, petit frère. En face de nous, la belle ville de Hangzhou, où nous vivrons nos 3 prochaines années.
Dégagez, dégagez. Allez, faites place. Place au fils du seigneur Torkan. Qui cela peut-il être pour avoir autant de serviteurs? Je voudrais bien le savoir. Le voici, le voilà. Attention, vous devez savoir qui c'est, qui il est, d'où il vient, ce qu'il fait. Vous ne pouvez pas ne pas me connaître, doux comme la pluie, agile comme le vent. Vous ne pouvez pas ne pas me connaître. Issu d'une famille qui n'a jamais souffert, je jetterai l'or à même la terre. Kung Fu, Wushu, Tech, Kendo. Je connais tous les arts martiaux, les classiques, mystiques, fiction, romans, de tous ces livres sans images. Qui a lu au moins la première page? Les femmes sont folles de moi. C'est moi qui te fais rire, mon gros. Tu t'amuses bien, ça va pas durer, attends. Hey, arrêtez. Quoi, quelqu'un veut se prendre des coups dès que j'en aurai fini avec lui? Hein? Il semblerait qu'on ait un héros dans les parages. Tiens, tiens. Lequel de vous deux a eu l'audace de m'interpeller? Toi? Ou toi? C'est moi. Ah oui, c'est toi. Ah, tu as plutôt bonne mine. Et je ne supporte pas les gens qui ont bonne mine, surtout quand ils se mêlent de mes affaires. Je vais te donner une bonne leçon. Attention, regardez ce qu'il y a derrière vous. Qu'est-ce qu'il y a? Oh mon nez, on dirait un bol de riz. Un bol de riz vu du dessus, oui. Mais un bol de riz au paprika. Ça vous fait rire? Dépêchez-vous d'attraper ces volatiles. En vos ordres. À la sauce. Ah, si je vous attrape, je vous fais rôtir. Où il est passé? Il n'est pas loin, juste derrière. Non. Ôte ton pied de là, sinon gare à toi. Est-ce que tu sais à qui tu parles? Je m'en fiche, vieux débris, tu ferais mieux de te mêler de tes affaires. Ce sont mes affaires, et pour un certain temps. Un certain quoi? Mais qui êtes-vous?
Je suis votre professeur. Le professeur? Je suis mort, c'est fini. Tes bonnes études reposent sur le courage, la volonté et la persévérance. La connaissance donne la stabilité. La stabilité donne la sérénité. La sérénité mène à la paix. Et la paix à la contemplation, grâce à laquelle tout est possible. Toute chose a un début et une fin. Connaître ce chemin conduit à la sagesse. Confucius a dit, s'il n'est pas de plus grande joie que de mettre en pratique ce que l'on a appris, Tao, la suite. Grande aussi est la joie de voir venir à nous des amis de contrées lointaines. Leur esprit est une sève pour notre esprit. Très bien. Et pour la suite, Monsieur Ling. J'ai dit Ling. Oh, oui. Tout comme le balbuzard se fait entendre le long de la rive... Le jeune homme courtise la belle demoiselle. Veille à ne pas rêver en plein jour. Oui, monsieur. Si la pierre de jade n'est pas taillée... Elle sera toujours sans valeur. Si je n'étudie pas durant ma jeunesse, quand je serai vieux... Quand je serai vieux... Quand tu seras vieux, qu'arrivera-t-il? J'en sais rien, je suis pas encore un vieux croulant. Oh, mais qui m'a donné de pareils étudiants? On ne peut pas faire boire un âne qui n'a pas soif. Et on ne peut pas tailler une bûche pourrie. Oh, Ta réponse aussi est pourrie, mais acceptable. Un autre exemple. Sur un mur de terre... On ne peut pas écrire. On ne peut pas... Je t'écoute, qu'est-ce qu'on ne peut pas écrire? On ne peut pas écrire des vers de terre. Non, des vers de vase. Oh, par les moustaches de Confucius, qu'ai-je fait pour mériter de tels élèves? C'est terminé pour aujourd'hui. Grand frère, et si nous quittions cette agitation pour aller nous promener dans la montagne? Dans la montagne? Regarde, voilà la sortie. D'ici, le paysage est complètement différent. Comme ça sent bon. Tao, mon frère, j'aimerais avoir le pouvoir d'arrêter le temps. Arrêter le temps? Pourquoi? Parce que je vis des instants de bonheur unique. De bonheur unique? Tu peux m'expliquer? C'est difficile à expliquer. Dis-moi, est-ce que tu as une fiancée ou une jeune fille que tu aimes?
Comment pourrais-je avoir une fiancée? Je n'ai ni titre ni fortune. Alors la vie est belle. Oui, bien sûr. Je voulais dire, ce n'est pas grave. Mais c'est une merveilleuse nouvelle. Ah non. Non. C'est tout de même bizarre. Il y a quelques minutes, le ciel était tout à fait clair. Oui. Et comme ça, d'un seul coup, il se met à pleuvoir. Je voudrais que ça ne s'arrête jamais. Jamais ? Dis, tu n'aurais pas un peu de fièvre? Tout à l'heure, tu voulais arrêter le temps et maintenant, tu veux la pluie éternelle. Oui. Oui. Tu m'as dit quel rôle on t'avait confié dans la pièce que nous allons jouer. Je joue la femme sacrifiée au dieu de la rivière. Ah, c'est drôle, moi je joue ton mari. Mon mari? Si seulement c'était vrai. Ling, j'ai vraiment l'impression que tu n'as pas toute ta tête aujourd'hui. Une belle cité, mais qui chaque année, à la saison des pluies, était envahie par les flots. Bien des habitants mouraient, emportés par les eaux. Or, un méchant sorcier qui observait tout cela dit aux villageois : il existe un moyen d'empêcher ce fléau. Il vous faut trouver une épouse au dieu de la rivière. Si l'on est content, vous n'aurez plus à craindre la fureur des flots. C'est aujourd'hui jour de noces pour le dieu de la rivière. Nous allons maintenant, suivant la coutume, soumettre plusieurs fiancés au dieu de la rivière. Voici la première. Pourquoi moi? Je ne connais rien de la vie. Ah, c'est affreux. Elle est encore plus moche que moi. Le dieu de la rivière n'en voudra jamais. S'il se retrouve avec une femme comme celle-là, c'est l'inondation assurée. T'es trop vilaine. Quelle humiliation. Je préfère me noyer.
pas voulu. Il en faut une autre. Il en faut une autre. Du calme, nous en avons d'autres. Pouvoir faire. Je vous ai présenté toutes celles que j'avais. Non, chance, il en reste une. Que notre ultime fiancé fasse son entrée, sans plus attendre. Mais bon, j'ai dit sans plus attendre. Ling, qu'est-ce que tu fais? C'est à toi. Drôle de manière d'entrer en scène. C'est vrai, mais vois comme elle est jolie. Bah. Il me plairait bien. Ferme ça, quand même. Il est grand temps que la cérémonie commence. Attendez. Qu'est-ce que c'est? Attendez, s'il vous plaît. Mon époux, mon mari. Cela suffit. Il n'est pas de plus grand honneur que d'épouser le dieu de la rivière. Tu dois faire cadeau de ton épouse au dieu. Oh, mon bien-aimé. Il joue vraiment très bien la tragédie. Il ne joue pas, ils sont sincères. Comment ça, ils sont sincères? Mon bien-aimé, mon doux mari. Si j'ai bien compris, il joue bien parce qu'il ne joue pas. Je ne me souviens pas de cette scène. Ling. Ling. Adieu, mon amour. Adieu. Ah, c'est vraiment trop beau. Moi aussi, je veux un baiser. Moi aussi. Un baiser. Silence. L'histoire continue. Voici venu le moment fatidique. Avance! Encore! Et attends mon signal. Regardez bien, et que ceci serve d'exemple à toutes ces femmes sources d'ennui à qui les hommes ont tant de mal à inculquer l'obéissance. Allez, saute maintenant! Dis-moi, sorcier, pourquoi les femmes doivent-elles obéir? Eh bien, parce qu'elles sont ce qu'elles sont. Que sont-elles? Dis-moi, je t'écoute, sorcier. Qu'ont-elles de si particulier qui les rend inférieures? En quoi sont-elles source d'ennui? Les femmes, comme les hommes, sont des êtres humains, non? Alors pourquoi n'ont-elles pas les mêmes droits? Parce que mes livres disent le contraire. Elle est dans la pièce, cette scène. En ce cas, je peux t'assurer que tes livres ont tort. Non, mais qui es-tu pour oser dire cela? Des femmes comme toi, de raisonneuses, il y en a eu dans le passé. Et justement, les livres en parlent. Dans certaines dynasties, les femmes avaient une grande influence. Et toutes ces dynasties ont mal fini. Dès qu'une femme pense, les ennuis commencent. C'est bien vrai. Et c'est bien connu. Si ces dynasties ont disparu, ce n'est pas à cause des femmes, mais de la compétence de leurs empereurs. Ah, ça, c'est bien dit. Elle fait de bonnes études et elle sait s'en servir.
Prends le temps de relire tes livres d'histoire. Tu y trouveras de nombreux exemples de femmes exceptionnelles. La mienne en fait partie. C'est passé. Ce qui me curlupine, c'est ce Link qui, sur scène, avait absolument l'air d'une femme. C'est tout de même bizarre qu'un garçon ait tout à fait l'air d'une fille. Qu'est-ce que ça veut dire, maître? Ça veut dire ce que ça veut dire. Approchez. Je voudrais trouver un moyen de vérifier si Link est un garçon ou une fille, c'est tout. Mais je l'ai, ce moyen. C'est pas sorcier, maître. C'est même très simple. Je vais aller lui demander. À tout à l'heure. Attends, reviens ici tout de suite. Est-ce que tu peux être bête? On croirait que t'as pris des coups sur la tête. T'as une meilleure idée, toi? Et toi, t'en as une? C'est vous le maître, maître. Les idées, c'est vous. Oui, toi au moins, t'as compris ça. Alors voilà, je vais te confier une mission. J'ai décidé de m'introduire pendant la nuit chez notre cher ami, ou ami E, afin de vérifier une chose. Et comme je n'ai pas envie de me tromper, je vais te charger de repérer le bâtiment et la chambre de... Dites, maîtresse, il y a un homme à la porte de votre chambre. Hé, je peux savoir ce que tu fabriques? Rien, et surtout pas de croix sur le mur. Et maintenant, je m'en vais. Bonne nuit. Maîtresse, je ne sais pas pourquoi, mais je suis sûre qu'il manigançait quelque chose. Maîtresse, regardez! Pourquoi est-ce qu'il a fait cette marque? Je n'en sais rien, mais j'ai bien peur que ce ne soit pas pour une bonne cause. Izzy, tu vas effacer cette croix et en faire une autre parfaitement identique près de la porte qui est à côté de la nôtre. Oui, mais la porte à côté, c'est celle du professeur et de sa femme. Je le sais, et c'est bien pour ça que je te le demande, Izzy. Comme ça, si on nous veut du mal, le professeur sera le premier à le savoir. Oh, maîtresse, vous êtes géniale, absolument géniale. Bon, je peux te faire confiance. Tu es bien sûr d'avoir repéré la bonne porte et d'avoir fait une marque. Oui, maître, à ça, vous pouvez pas la rater. J'ai fait une croix et elle est comme ça. J'ai même failli la faire plus grande, mais je voulais pas user la craie. Crétin, je t'avais dit d'être discret. Bon, maintenant, tu restes là et tu fais le guet. On est d'accord, si quelqu'un vient, tu me préviens. D'accord, maître, je fais le guet. Qu'est-ce qu'il fait noir ici? Je n'y vois presque rien. Ah, ça y est, je l'ai trouvé. Il avait raison, l'autre idiot. Grosse comme elle est, je pouvais pas la rater. Je crois qu'il va y avoir du spectacle. Quel spectacle? Le spectacle... c'est la femme du professeur. Puis-je savoir ce que vous faites ici à une heure pareille? On ne fait rien. On admire la lune. C'est ça. C'est une très belle lune. Très belle, oui. Mais vous feriez mieux de rentrer vous coucher. À vos ordres, madame.
Mais ce serait pas dans cette chambre que notre maître vient d'entrer. Comment c'est possible? Mais j'en sais rien du tout. Et comment veux-tu que je le sache? J'ai comme un pressentiment. Quel genre de pressentiment? Qu'est-ce que vous mijotez là, tous les trois, en pleine nuit? Tout ça, ça sent pas bon. Oh non. Lequel d'entre vous a eu cette idée? C'est lui. Pourquoi c'est toujours moi? Maîtresse, vous avez encore une lettre de votre mère. Tenez. Je devine que c'est pour vous demander de rentrer à la maison. Oui. C'est la cinquième fois qu'elle vous écrit. Izzy, je ne sais pas quoi faire. Donne-moi un conseil. Vous voulez un conseil? C'est simple, rentrons à la maison. Tu en parles bien à ton aise. Oh, je vois ce que c'est. Vous n'avez pas envie d'être séparé de votre frère d'études. Izzy, va trouver Tao. Oui. Dis-lui que je l'attends au bord du lac. Je dois lui parler. Oui, maîtresse. Mon cher Tao, je ne veux pas regretter toute ma vie de ne pas t'avoir posé cette question. Alors la voici. Si j'étais une femme, est-ce que tu m'épouserais? Oh,
Bien sûr que je t'épouserai. Chen Song, c'est toi? Eh oui, je suis quand même mieux que Tao, non? Toi? Donc, comme je m'en doutais, tu es une fille. Superbe nouvelle. Si Tao ne veut pas de toi, sache que je t'épouserai très volontiers. Et que même s'il veut de toi, je t'aurai, Ling. N'approche pas. Fiche le camp. Fiche le camp. Te rends-tu compte, ma douce, que la colère te rend encore plus belle? Alors, c'est décidé. Tu as ma parole que quoi que tu fasses, j'aurai ta main. À très vite, ma beauté. Aïe, oh. Attends, pourquoi est-ce que tu reviens me tourmenter? C'est moi. Qu'est-ce que tu as, Ling? C'est toi? Cher Tao. Dis-moi ce que tu as. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu pleures comme une fille. Oui, je suis une fille. Ling, qu'est-ce que tu racontes? J'ai dit, je suis une fille. Écoute, petit frère, ce n'est pas le moment de plaisanter. Et puis, d'habitude, c'est sur moi que tu plaisantes, en me traitant de bonnet ou de rat de bibliothèque. Pourquoi est-ce que tu te moques de toi aujourd'hui? Je ne te dis que la vérité, Tao. Tu es une fille? Oui, une fille. Non. Toi, une fille? Oui, une jeune fille. Non, non, ce n'est pas possible. Tu te fiches de moi, j'en suis sûr. C'est impossible. Alors tu es... Tu es vraiment une fille? Mon frère Ling est une fille. Ça va bien, Tao? Reste là. Ne bouge pas, surtout. Laisse-moi le temps. Grand frère Tao. Ne dis plus rien. Je dois réfléchir. Je voulais seulement que tu saches... Je t'en prie. Laisse-moi, maman. J'ai besoin d'être seule. Hé, hey, qu'est-ce que tu fais? Non! Ça va. Ne t'inquiète pas pour moi. Ainsi cela ressemble à ça. Il est là, juste devant toi. Tu ne le vois pas.
ils s'embrassent. Tu te rends compte, ton maître est une fille. Oh, toi aussi, t'es une... Je veux être la plus belle jeune mariée. Du monde entier. Oui, du monde entier. Tao, je t'offre ce foulard en gage de ma promesse d'être à toi pour toujours. Il faudra que tu viennes jusqu'à moi. Je te le promets, je viendrai. Je t'attends. Sois prudente, Ling. À très bientôt, Sinjo. Au revoir, Maître Tao. Izzy. Au revoir. Tu me manques déjà. Tao, il faudra que tu viennes. Je n'ai pas entendu. Il faudra. Qu'est-ce que tu as dit? Je n'ai pas entendu. Tao, mon cher Tao, il faudra que tu viennes vite. Oui, vas-y. Mademoiselle Ling est revenue. Oh, venez voir, maîtresse. Mais qu'est-ce que c'est? C'est jour de fête ou quoi? Pourquoi tous ces cadeaux, maîtresse? Je n'en sais rien. C'est sûrement pour une grande occasion. Ça, c'est sûr. Mais quelle occasion? Oh, regardez, maîtresse. Oh. J'ai déjà vu ces deux symboles. Ils sont... ils sont réservés aux... oh, aux fiançailles. Alors,
alors content? L'affaire est dans le sac, comme on dit. Bien sûr, seulement il y a... Il y a quoi? Qu'est-ce qu'il peut y avoir? C'est une chance inespérée pour votre famille. Nous sommes bien conscients de l'honneur qui nous est fait, mais je dois d'abord consulter ma fille. Consulter votre fille? Mais à quel sujet, je vous prie? En quoi est-ce que ça la regarde? Dans les bonnes familles, ce sont toujours les parents qui décident. Les enfants et surtout les filles n'ont jamais leur mot à dire. Mon fils est un bon parti. Chen Sang. Qu'est-ce qu'il y a? Voudrais-tu servir le thé? Le thé? Pourquoi? Pour qui le thé? Pour tes futurs beaux-parents. Ah oui, le thé, bien sûr, bien sûr. Un instant. Oui, qu'est-ce que c'est? Bonjour, père, mère. Je suis heureuse de te voir. Je vous présente notre fille, Ling. Sachez, monsieur, que je suis très flattée de votre proposition. Seulement, il faut être deux à vouloir se marier. Un mariage sans amour réciproque est une maison sans fondation, une construction instable. Qui finira toujours par se briser. Tout comme cette tasse, je sais très bien que je ne conviendrai pas à la famille Torkan. Jamais je n'aurais imaginé que tu oserais me faire la leçon. Je dois dire que je comprends que tu plaises à mon fils. À moi aussi, tu me plais. Par conséquent, nous allons régler cette affaire tout de suite. Et vous avez une fille absolument exceptionnelle. Merci. Monsieur Torkan, je n'ai pas donné mon accord à ce mariage. S'il s'agit simplement de trouver une épouse à votre fils, il vous suffit d'aller en choisir une dans la rue. Il y a beaucoup de filles très jolies. Je pense ne pas être digne de... Monsieur votre fils. Je déteste ce genre d'attitude. Et d'une manière ou d'une autre, ce mariage aura lieu. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est très simple. Et si tu refuses d'épouser mon fils, nos familles deviendront ennemies. Et si nous devenons ennemis, tu comprendras que je n'aurai aucune pitié pour les tiens. Tenzan. On s'en va. Réfléchis bien. Pourquoi on s'en va? Parce que j'en ai assez de nous voir humiliés. Mais, oh papa, attends-moi. Mais, monsieur Torkan, nous pourrions... Trois jours. Je vous donne 3 jours pour livrer votre réponse. Passé ce délai, je ne me sentirai aucunement responsable de tous les malheurs qui vous arriveront à vous et à ce minable de... Quel est son nom? Comment est-ce qu'il s'appelle? Tao. Eh bien, il aura intérêt à se méfier. Si tu refuses d'épouser mon fils, toi et ton Tao... Vous pouvez vous attendre au pire. Souvenez-vous, 3 jours. 3 jours.
Oh, c'est toi, Ling. Ce n'est que moi. Oh, Sinjo. Qu'as-tu à me dire? Ling est parti. Ça ne vous rend pas malade, ça? Vous arrivez à le supporter? Il y en a que ça rend encore plus malade que moi. Regarde. Oh. Ah, ça, lui, il est vraiment malade. Et toi, l'absence d'Izzy ne te rend pas malade? Moi? Non, pas du tout, pas du tout. Tu en es bien sûr? Tout à fait sûr. Tout à fait? Hein? Disons que c'est vrai. J'avoue, oui. Elle me manque affreusement. Je suis malheureux comme les pierres. Je suis malheureux. Bonsoir. Bonsoir, madame. Vous voulez me parler? Regarde les fleurs des arbres. Elles n'ont jamais été aussi belles que ce soir et ne le seront plus demain. C'est le moment idéal pour les admirer. L'amour est comme les fleurs écloses. Il faut savoir le cueillir. Sinon, il s'échappe et se fane. Madame, le grand amour est une chose rare. Ling et toi avez la chance de le connaître et le destin ne vous fera pas deux fois ce cadeau. Alors qu'est-ce que tu attends, Tao? Pars et cours lui demander sa main. Mais j'ai mes études, mes cours. Tu reviendras après. Les études peuvent t'attendre, mais pas un grand amour. Mais... Tao, écoute-moi et va la rejoindre sans tarder. J'ai compris, madame, et je vous en remercie. Alors cours chercher ton bonheur. Oui, madame, j'y vais de ce pas. Et merci encore, madame. Je vous dois beaucoup. Sinjo, prépare-toi, on va retrouver Ling. Tout de suite? Oui, sur le champ. Youpi! Mon maître soit loué et mon Izzy aussi. La vie est dorée. Puissent les amoureux être tous réunis pour l'éternité. Izzy, fais-le venir, s'il te plaît. Allez-y, maître Tao, elle est à l'étage. Ling. Je suis là, Ling. Ling, je suis là. C'est moi, Ling. Elle n'est pas là.
Tao? Ling, c'est bien toi, n'est-ce pas? Oh, Ling, comme tu es belle. Oui. Vraiment, tu es magnifique. Tu me trouves magnifique? Plus que ça, tu es une merveille. Tu crois? Qu'est-ce que tu as, Ling? Quelque chose ne va pas? Tao, tu arrives trop tard. Voyons, Ling, comment ça, trop tard? Ah, je comprends, tu es fâchée parce que j'ai mis trop de temps à venir. Mais je suis là. Ce n'est pas si grave. Nous allons passer toutes les vacances d'automne ensemble. Ah, je vois. Un petit cadeau t'aurait fait plaisir. Mais j'en ai un. Voici une fleur, rien que pour toi. Alors souris-moi. Une très jolie fleur ouverte, presque aussi belle que toi. Oh, Tao! Vraiment, comme c'est touchant. On dirait deux amoureux, comme dans les histoires. Quel dommage que la réalité soit si cruelle. Chen Song, je rêve. Eh non, tu ne rêves pas assez bien, Mouaoui. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai pour cela une excellente raison. Je suis le futur maître de cette demeure. Le maître de cette... Est-ce que tu pourrais être un peu plus clair? Oh, mais avec plaisir! Les parents de Ling ont accepté de me donner leur fille en mariage, ce qui veut dire que nous sommes fiancés. Quoi? Izzy, est-ce que c'est vrai? Tu vois, je ne suis pas un menteur. Quoi que tu penses, l'affaire est faite. Alors maintenant que tu le sais, tu n'as plus rien à faire ici. Fiche le camp et vite. Allez, dehors! Et ne t'avise pas de venir tourner autour de ma petite Ling. Aïe! Tu m'as fait mal, Ling. Qu'est-ce que tu fais ici? Est-ce que je t'ai autorisé à venir? Je veux que tu sortes immédiatement. Mais enfin, ma petite Ling. Va-t'en. Je ne veux plus te revoir. Ne te fâche pas, je m'en vais. Tes désirs sont des ordres. Elle sera bientôt à moi, de toute façon. Quant à toi, je serai heureux de te voir à notre mariage. Et souviens-toi de ce que je t'ai dit tout à l'heure. À bientôt, ma fiancée. À bientôt, Ling. À très bientôt. Le fil du grand amour aujourd'hui s'est cassé. Que dire à mon amour passé? Bon, Ling, qui a pu le rompre, ce fil? Tao. Comment cela est-il possible? N'avions-nous pas décidé de rester unis pour toujours? 3 années d'amour. Dévasté en quelques mots. Jamais, alors que je courais vers toi, je n'aurais imaginé une telle tristesse, Ling. Pourquoi m'as-tu trahi? Maître Tao, ne condamnez pas ma maîtresse. Ce n'est pas sa faute. Le père de Chen Sang est un homme riche et puissant. Si mademoiselle Ling avait refusé, toute sa famille... Et vous aussi! Tais-toi, Izzy, s'il te plaît.
Pourquoi je me tairais? Je ne dis que la vérité. Vous auriez subi la colère des Torkan. C'est pour vous protéger qu'elle a accepté. Et maintenant, c'est elle qui souffre le plus. Izzy, tais-toi, tu parles trop. Ma maîtresse est si désespérée qu'elle ne voulait plus vous voir. Mais elle ne pouvait pas vous quitter sans vous laisser un mot d'adieu. Elle est si malheureuse. Izzy, est-ce que tout cela est vrai? Izzy, veille bien sur ta maîtresse. Oui. Veille sur elle. Mon maître! Je viens de m'éveiller d'un rêve merveilleux. Mon cœur en est brisé. Mon âme se fracasse. Et te laisse à jamais auprès de ce mari, dans cette vie nouvelle où je n'ai pas de place. Tao, attends! Ling! J'ai besoin de toi. Ah. On ne passe pas. Mais... Tao! Ling! Tao! Laissez-moi passer. Allez-vous-en. Désolé, ma belle. Maître Torkan a dit que vous ne deviez pas sortir. Ah oui? Thank you.
sans pitié. Immonde, cruel. Ces gens. Mais c'est Chen Sang. Qu'est-ce que tu viens faire? Tu ne devines pas? Eh bien, tu vas comprendre très vite. Alors, comme ça, on voudrait bien essayer d'enlever ma fiancée? Allez-y, faites-lui passer l'envie de la revoir. Restez où vous êtes! Vous ne me faites pas peur! Ôte-toi de notre chemin ou tu goûteras aussi du bâton. Quoi? Fuyez, maître! Allez! Et vous n'approchez pas! Laissez-le tranquille. Reste maître là. Non, mon maître, mon maître. Calme-toi. Mon maître. Oh, mais arrêtez, je vous dis. Laissez-le tranquille. Mon maître. Je vous en prie, arrêtez de le tuer. Ouvrez! Ouvrez! Ouvrez la porte! Je vous en supplie, ouvrez! Allez-y, du nerf! Il en a peut-être reçu assez, là. J'ai même l'impression qu'il en a peut-être reçu un peu trop. Ouvrez! Ouvrez cette porte! Je vous en supplie! Ben allez, on s'en va. Je suis là. Tao. Ah, Ling. Tu m'entends? Je suis tout près de toi, Ling. Puisque je suis avec toi, il faut que je te dise. Que je te dise quelque chose de très important. Je t'écoute. Ce qui m'est arrivé de plus beau dans toute ma vie, c'est de t'avoir rencontré. À moi aussi. C'est un chagrin immense de ne pas avoir pu t'épouser. Non, ne dis pas ça, je t'en supplie. J'aurais tant aimé continuer à te voir, à étudier avec toi, jusqu'au jour où nous nous serions mariés. J'avais aussi un rêve. Le rêve d'avoir un enfant de toi, une fille aussi belle et aussi intelligente que toi. Ce rêve ne se réalisera jamais. Tao, arrête. Tu vois, Ling. Avoir ma main serrant la tienne suffit à me rendre heureux. Je vais maintenant devoir te quitter, Ling.
Si le destin le veut bien, nous nous retrouverons s'il en décide autrement. Nous devrons continuer seuls. Tao, qu'est-ce que tu as ? Tao ? Tao, réponds ! Tao ? Donne-moi ta main, Tao ! Tao ! Tao ! Tao ! Donne-moi ta main, Tao ! Où es-tu, mon amour ? Où es-tu ? Je voulais vous dire que mon maître... a voulu que je vous remette ceci.
Tao, je vais être pour toi la plus belle de toutes les fiancées. Je suis là. Et je suis là parce que je suis à toi. Est-ce que tu aimes ma robe? Est-ce que tu me trouves belle? Tu disais toujours que je serais pour toi la plus belle jeune mariée du monde. Alors, comment as-tu pu me laisser toute seule sans toi? Comment as-tu pu me laisser toute seule et m'abandonner dans ce monde égoïste? Pourquoi m'as-tu abandonné? Tu aurais pu penser à moi. Est-il vrai que nous n'étudierons plus jamais ensemble? Tu disais que quoi qu'il arrive, rien ne pourrait jamais nous séparer. Et tu as menti, Tao. Tu as menti. Ling, je suis là. C'est toi, mon amour. C'est bien toi. Ne me quitte plus jamais. Maîtresse! Elle est là, je la vois. Reviens, Ling! Ma fille! Où est ma fiancée? Reviens! Emmène-moi, emmène-moi, vite! Maîtresse, revenez! Hé, hey, mais qui c'est celui-là? On dirait bientôt! Oh, bah moi j'aime pas ça du tout, les gars, vraiment pas ça! Pas du tout, non! Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais qu'est-ce qu'il fait tout près de ma fiancée? Mais vous trois, allez là-bas et ramenez-la! Mais, vous êtes là? Mais... Mais vous allez où? Pas de ce côté! Revenez! Revenez tout de suite! Revenez! Si vous ne revenez pas tout de suite, vous aurez affaire à moi! Thank you.
ma fille. Où est Ling? Où est passée ma fiancée? Où elle est? Tu te rends compte? Ma fiancée, elle était là et elle n'est plus là. J'ai tout vu, j'étais là. Eh bien, envoie des gens me la récupérer. Mon pauvre enfant, es-tu donc idiot ou aveugle? N'as-tu pas vu l'amour de Ling pour Tao? La détermination, le courage et le bonheur qui brillaient dans leurs yeux et qui témoignaient de leur amour infini l'un pour l'autre. Un si grand amour est unique dans une vie. Mais papa, je... Oublie-la. Tu aurais eu son corps, mais jamais tu n'aurais touché son cœur. Mais enfin, papa... Oublie-la, je te dis. Mais... Je crois bien que j'ai commis une lourde erreur. Juste que tout s'arrête là. Je rêve.